je vais galérer vraiment, mais vraiment. Bon, comme vous avez vu dans le titre, je vais tenter de speedrun Zelda Breath of the Wild. Ça va être extrêmement, mais extrêmement complexe. Je sais pas si je vais même réussir à faire les premiers bugs pour faire le jeu. Si vous voulez, essayez-vous de le speedrun. Je vous mets les liens d'où j'ai trouvé comment speedrunner dans la description. Et je ne vous garantis rien, ok? Je vais galérer, mais beaucoup, beaucoup. Et on est tout de suite parti, du coup. Ok, donc première étape, se diriger vers la tablette Sheikah. Ça va être... Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va devoir faire un Shrine of Resurrection clip. Alors, je sais que ça paraît du chinois pour vous, mais si j'ai bien compris, il faut s'orienter vers l'angle de la pièce. J'y arrive déjà pas. Il va falloir passer à travers ce mur en se calant dans l'angle, vérifier les battements de, les mouvements de caméra correctement pour pouvoir tenter de réussir à passer à travers les murs. Oh, attends. Ok, alors, je me tourne. Ok, je me positionne correctement. Ok, il faut que le battement de caméra soit au même tempo, c'est-à-dire genre que ça fasse 1-2 et que ça soit régulier, à intervalles réguliers. Et il faut que j'appuie deux fois vite sur la longue vue pour passer à travers le mur. Oh, oh les gars, j'ai réussi. Oh mon dieu, j'ai réussi le... Oh, ok. Ok, donc la première étape du speedrun est faite. C'était extrêmement galère, mais regardez, je suis passé à travers du coup le truc. Donc maintenant, on va aller par ici, du coup, au niveau de cet endroit-là. Voilà. Bon, vu que j'explique très mal dans la vidéo... je vais effectuer un bug qui s'appelle le whistle sprinting. Ça consiste tout simplement à enfoncer la touche de sifflement tout en spammant la touche B pour courir à l'infini sans perdre l'endurance. Et c'est un bug qui se fait très facilement comme vous le voyez à l'écran. Et là, je fais 1, 2, 3 sauts. Je me dépêche. Et là, on va s'accroupir. Ok, ok, maintenant je vais sprinter ma mère de ce côté pour ne plus être affecté par le froid. Ok, donc maintenant je vais aller vers la bande de Pocoblins. Il a dit que si on est débutant, on peut choper les trucs à bouffer pour s'entraîner. Le bouclier. Ok, ça c'est très très important. Ok, et maintenant on va en direction de cet endroit. Et maintenant, on glisse. Ok. Donc maintenant, il va falloir se dépêcher énormément pour pouvoir arriver à la prochaine étape. Là, il y a... Ok, là, il y a Zelda qui nous parle, comme c'est dit dans le truc. Et on va longer le mur en essayant de gagner le plus de temps avec notre bouclier. Ok, donc là, on va se casser par cet endroit. Ok. Vite, on coule. Allez, allez, allez. Ok, et là, du coup, on va monter ici. Ok, là, j'ai chopé ça. Ensuite, je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer à lui. Je suis mort. Oh là, non. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là, bordel de merde, mais c'est... Ah! Ok, alors, voilà, on y est. Maintenant, on se casse vers cet endroit-là. Ok, là maintenant je rush contre ce mur. Alors déjà de 1, non, j'ai raté. Ok, bon là normalement dans le speedrun, il nous reste une demi-vie, ok. Maintenant, comme il dit, on va devoir effectuer un shield clip. C'est un bug pour entrer plus rapidement dans le sanctuaire sans voir la cinématique. Mais du coup, moi, ça va me prendre plus de temps. Ok, donc maintenant, je vais faire le glitch. Tu cours ici. Ok, est-ce que j'ai réussi du coup?
Ok, il est un peu fait, mais j'ai réussi. En fait, il s'est penché, il y a une frame où il s'est penché, et ça veut dire que le glitch, il a été fait. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais viser... Merde, je suis débile. Ok, normalement, sur la minimap, il montre les points auxquels on est aligné. Ok, donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir faire un saut contre le mur, et en maintenant toujours la gâchette appuyée sur ZR, et une fois que mon dos est parallèle au sol... Je l'enlève et on traverse le sanctuaire. Voilà, ça paraît extrêmement compliqué. Je sais pas si je vais y arriver. Et on est presque à chaque fois, c'est ouf. Oh ! Oh la vie, j'ai réussi ! Les gars, j'ai réussi le shield clip. Oh. Ok, donc maintenant, comme ça. Et là, ok, je passe à travers. Ok. Oh, les gars, deux glitchs réussis. Je suis extrêmement heureux. C'est beaucoup trop cool, mais c'est dur, sa mère. Hein. Ok. Et là, du coup, on a terminé la première partie du speedrun. Si j'ai bien compris, c'est ce que le mec a dit. Du coup, ce que j'ai fait là, maintenant, il va falloir essayer de le faire rapidement. Bon, ça va être très compliqué parce que je suis pas fort, mais on va essayer vite fait de le faire. Vous êtes chaud, c'est parti. Ok. Oh, j'ai réussi tellement rapidement. Allez, go. Je me place. Non, pas ici. Vers cet endroit. Allez, hop. Faut pas, c'est pas le moment de déconner. Un, deux, trois. Ok, je monte ici. Je me baisse. Ah, j'en ai marre. Allez. Ok, parfait. Non, je fais pas de conneries. Ok, c'est parti. Ok. Vite. Grouille. Je vais foncer prendre ça. Ok, ça c'est bon. Merde, je me loupe. Ok, vite, faut que je fasse un truc. J'ai l'arc. Non. Salut. Putain, je vais devoir tout recommencer. Vas-y, tuez-moi là. Allez, tuez-moi. Voilà. Oh, j'en peux plus. Ok. J'ai réussi à faire la technique en plus. Oui, allez. Ok. J'ai réussi. Maintenant, on se grouille, on va faire le shield skip de shield skip. Je sais plus comment ça s'appelle.
Mais putain. Non, putain. Oh. Ok. Ok, ok, les gars, j'ai réussi, j'ai réussi. Ok, je... Waouh, waouh, waouh. Allez, 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 hop. Ok, là, il faut juste que je passe juste les dialogues et j'ai fini. Je ne sais pas quel temps j'ai fait, mais j'espère que c'est en assez bon temps. Il y aura de toute façon le chronomètre qui sera, hein. Il y aura le résultat à l'écran. J'espère que ça sera, que c'est un assez bon temps pour à peu près 1h30-40 de tryhard sur la première partie du speedrun de Zelda Breath of the Wild. Si vous aussi vous voulez essayer, je vous mets tous les liens dans la description pour le speedrun. N'hésitez pas aussi à me dire votre temps du coup jusqu'à cette étape là, de combien vous avez fait, si vous avez réussi à battre ou pas. Si vous voulez la suite du speedrun aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Venez, ça mérite un petit abonnement. J'ai pas dit un tryhard beaucoup, je suis allé jusqu'au bout, je suis très heureux de moi d'avoir réussi déjà deux gros glitchs assez compliqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mika Hoge. Au revoir. 君だよ、君なんだよ、教えて。